Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter la boutique des prestiges de Call of Duty Cold War. Alors apparemment la boutique prestige est disponible, c'est mon poteau Valentin, dédicace à toi qui vient de me prévenir de l'information. Donc c'est parti, let's go, on va aller voir ce qu'il nous annonce. Donc boutique franchise, oui je la vois, je vois un cadenas et... Quoi? Je peux pas y aller. Quoi? Pourquoi je... Attends. Pourquoi je peux pas y aller? Ah, c'est parce que je suis pas en ligne. Ah, d'accord, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Je dois disposer du PlayStation Plus? Or que j'ai le PlayStation Plus, ma gueule. Qu'est-ce qu'il me raconte? What the fuck? Attends, il y a un gros bug. Je relance le jeu. Non, mais frère, je suis abonné au PlayStation Plus jusqu'en 2042. Et ils me disent que j'ai pas de PlayStation Plus. Oula, il y a un gros problème là. Hein. Connexion service en ligne. Vas-y, zombie. Yes. Ah, je préfère ça, mon pote. Je préfère ça. Ok, aperçu de la saison. 4 nouveaux niveaux prestige. 1, 2, 3, 4. Ah, ok, bah, on voit les niveaux prestige. Parfait. Nouveau plan. Machine verte. Atteignez le niveau 50 de la saison pour débloquer le nouveau plan d'armes qui est la machine verte. Ok. Nouveaux défis. Ok, des nouveaux défis. La saison 1 démarre avec 4 nouveaux défis prestige et leur récompense. Un nouveau plan débloqué au niveau 50 de saison et de nouveaux défis de carte de visite. À chaque niveau prestige, vous recevez une clé de prestige échangeable contre des objets exclusifs dans la boutique. Alors, si vous voulez en savoir plus sur toute la mise à jour, je mettrai un lien où j'émunère tous les points, que ce soit en multi-zombie, Warzone, de toutes les mises à jour qui va y avoir sur la saison 1 de Cold War. Je la mettrai en description et en commentaire. N'hésitez pas à aller la voir, c'est une vidéo très 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 complète. Et je pense que vous n'allez pas être déçus du tout. Alors, ok, donc là je suis dans la caserne. En fait, c'est parce que j'avais pas encore été une seule fois dans la caserne, c'est pour ça qu'il me disait ça. Ok, donc, où est la boutique prestige? Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Merci mon petit Valentin, t'as géré frérot. Donc en fait, faut aller dans caserne, progression, boutique prestige. Là, j'ai 3 clés de prestige. Alors, la boutique carte de visite, ok. Les icônes de prestige personnalisées. Un aperçu du système prestige. Oui, j'aimerais bien un aperçu. Ah ouais, ok. Ah ouais. Donc regardez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prestiges pour la saison 1, je suppose. Pour la saison 2, 7 prestiges. 7, 14, 21, 21, 27, 21, 28, 27. Ouais, ça fait 27 prestiges, les poteaux. Il y aura 27 prestiges à débloquer. Et regardez, il y a encore des grisés juste en dessous. Donc, je pense qu'il y aura 28 et 35 prestiges, les mecs. Parce que regardez, en bas, il y a des carrés grisés. Maître prestige. Alors, maître prestige 1. Ruban d'étoile de maître prestige. Lorsque vous devenez maître prestige, vous obtenez un ruban de... un ruban que conserver à travers les différentes saisons. Chaque fois que vous atteignez le rang maître prestige, une étoile est accrochée sur le ruban de votre sixième rang maître prestige. Ajoute la couronne à votre ruban. Carrément, ok. Donc si on arrive maître prestige à chaque saison, on aura une étoile, hein, comme il est marqué là. Donc il y a une saison, 1, 2, 3, 4, 5, 6 saisons. 6 saisons, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Sixième saison, je sais pas. Il n'y aura pas de prestige. Alors, c'est quoi cette histoire? Donc, pour l'instant, il y a 27 prestiges. Je viens de voir à droite. Icône prestige de la saison 6. Ah, voilà, ok. Donc, ça, c'est la saison 1. Quoi? 1, 2, 3, 4. Ah, ouais, il y aura 4 prestiges à la saison 2. 1, 2, 3. Quoi? Que 3 prestiges à la saison 3? 1, 2, 3. Non, 4 prestiges à la saison 4. Ok, c'est à chaque fois 4 prestiges. Il y a 4 prestiges par saison. Ok, pour l'instant, ils ont prévu que 6 saisons. Bah oui, bah, de toute façon, comme d'hab. Comme ils ont fait avec l'autre. Alors, bon, ça, c'était déjà une chose, ok? Maintenant, on fait petit à petit. Hein. Icône de prestige personnalisée. Personnalisez votre niveau avec les icônes prestige classiques. Maître prestige requis. Ok. Ok, donc prestige 1, prestige 2, prestige 7. Black Ops multijoueur 2. Ok, donc ça, en fait, c'est sûrement ce que je dois débloquer ici dans carte de visite. Attends, parce que là, je comprends rien.
Donc là, on peut acheter des cartes de visite. Ok. Ok, MW. Tout coûte une seule, une clé. Donc vous pouvez acheter toutes les cartes de visite que vous voyez. Alors pour l'instant, j'en vois pas des ouf, hein. Pas se mentir. Ça, c'est pour Jedi, mon pote. Un Carnabis. Alors, j'en vois pas des ouf. Ouais, le MW2 pour les fans. Prestige, voyons voir ce qu'il y a. Prestige, ouais. Là, ils sont pas ouf, hein. À mon avis, ils en rajouteront au fur et à mesure du temps, je suppose. Alors, bien, si vous n'avez pas compris le principe, c'est que pour avoir une clé de prestige, il faut être prestige 1, par exemple, et vous débloquer la clé prestige. Ok, il y a des trucs trop, top secrets. Donc ça, à mon avis, ça viendra plus tard. Ou alors, faut atteindre un certain prestige pour le débloquer. C'est possible aussi. Prestige 4 du multijoueur de Black Ops 8. Quoi? Black Ops 8? Pourquoi ils disent Black Ops? Ah, prestige 8. Ah ouais, d'accord. Ouais, je sais pas, c'est un peu compliqué. Un peu de Black Ops 4. Ok, de Black Ops 4. Et il faut être prestige 8, ok. Donc là, de Black Ops 4, et il faut être prestige 7. Ok. Ah, là, c'est déjà un peu... Moi, j'aime bien les trucs qui bougent, quoi, tu vois. Donc déjà, celle-là, elle est pas mal. Ouais, celle-là aussi. Des clowns. Ah, et t'as vu? Ici, les maîtres prestige, c'est deux clés qu'il faut. Pourquoi je peux pas? Ah, il faut que j'atteigne le maître prestige pour pouvoir acheter un truc ici. Sinon, les autres, je peux les acheter. Mais franchement, il n'y a rien de foufou, hein. Je crois que je vais garder mes clés de prestige pour l'instant. Peut-être la faucheuse, elle est pas mal. Ouais, vite fait. Vite fait, vite fait. Donc là, ce que je comprends pas. Comment je dois faire? World Art War multijoueur. Ah, il faut que je sois maître prestige pour pouvoir modifier les icônes prestige. Ok. Ok, donc pour l'instant, je peux pas modifier. Mais apparemment, après, je pourrais modifier. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, rien de très extraordinaire. Des cartes de visite à acheter avec des prestiges. Avec des clés de prestige, ouais, c'est pas très ouf. Ils auraient pu mettre des armes ou des variantes, je sais pas, franchement. À voir ce qu'ils vont faire par la suite, hein. Par contre, j'aime bien leur système de maître prestige avec les étoiles là. Ça, voilà, tu vois. C'est de level, quoi, tu vois. Et j'aime bien les quatre nouveaux logos. Franchement, ils sont stylés. J'adore celui-là. Celui-là aussi, il est badass. Celui-là aussi, il est badass. Et celui-là aussi, il est badass. Celui-là, vite fait. Celui-là, j'aime bien. Et celui-là, j'aime bien. Franchement, les logos des prestiges sont vraiment bien. Enfin, bref, je pense que je vous ai tout dit. Donc, n'oubliez pas, pour accéder à la boutique prestige, c'est dans caserne, progression, boutique prestige. Et là. C'est mon truc, là c'est le truc de la saison 1. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était surtout le mec et ciao. Peace.